Yo tout le monde, on se retrouve pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Fishing Point. Point, si vous voulez. Elle est trop bien. Je viens de la découvrir, elle est trop bien. Je pouvais pas passer à côté. Voilà, on arrive sur votre carte. Voilà, donc ça c'est mon village et tout. Et là, vous allez me demander qu'est-ce que c'est les points verts, rouges et bleus. C'est mes coins de pêche. En fait, on peut marquer ses coins de pêche. Je vais vous montrer. Par exemple, ici, ça va être un coin de pêche pour moi. Bon, je vais vous prendre un vrai coin de pêche, attendez. Comme ça en fera un en plus pour moi. Donc voilà, on peut mettre la map comme on veut, hein, de en haut, au-dessus, comme on veut. Donc voilà, marine de Pietra. Petit coin de pêche ici. On reste appuyé sur l'endroit, et voilà, on a un nouveau lieu. Latitude, longitude, etc. On a un petit logo encre verte. On appuie dessus, on peut changer, voilà. On peut mettre ce qu'on veut, donc normalement je vais la bouée. Et on peut écrire le nom du lieu. Par exemple, moi j'ai marqué, ça va être un coin plutôt ça pour le leurre, tu vois. Donc je marque leurre. Voilà. On met sur en haut à droite, valider. Et voilà, on a notre coin de pêche. Ça, c'est génial déjà. Comme ça, parce que si on va en bateau, on peut retrouver ces spots très facilement. Voilà. Donc là, je vais retourner à mon point. Et genre là, regardez, je suis à mon point. Je vais sur mon coin de pêche, par exemple celui-ci. J'appuie, tac, j'appuie sur la flèche et radé. On en met tout le trajet pour y aller. Ça, c'est génial. Par exemple, quand on est en bateau, on se retrouve très facilement. Bon, peut-être sur la côte, pas forcément obligatoire, mais voilà. Trop bien. Bon, cette application est payante. Par an, je crois que c'est 20 euros et par mois, c'est 3 euros. Moi, je paye par mois. Parce qu'il y a des mois, j'y vais pas à la pêche, tout simplement. Voilà. Alors déjà, il y a ça. Là, il y a les trois petits tirs en haut à gauche. On appuie dessus. Il y a les lieux, c'est ce qu'on vient de voir. Et les prises. Alors, les prises, on appuie sur le petit poisson en bas à droite, comme ça. Et on peut mettre ajouter des photos. Alors là, vous allez voir toutes mes photos à moi. On s'en fout. Et pendant, je vais rajouter la sèche. Voilà. Hop. Sélectionner un lieu, ah oui, un lieu de capture. Par exemple, je vais aller à Pietra. C'est là où j'avais pris la sèche. Et voilà, ça me fait ma capture du 26 septembre. Bon, c'était pas le 26, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, après, voilà, on a ça. Là, on va dans les petits trois points. Et on a l'activité des poissons. Alors aujourd'hui, par exemple, faible activité du poisson. Par exemple, dimanche. Moyen activité du poisson. Lundi, moyen. Mardi, haute activité du poisson. Donc déjà mardi, il fera, je pense, beau. Et donc j'irai à la pêche. Et mercredi, c'est encore mieux, comme vous pouvez le voir. Jeudi, très bien. Vendredi, très bien. Samedi, dimanche. Et voilà. Du coup, on peut voir l'activité du poisson. Voilà, ça c'est déjà très bien. Après nous, pour la mer, les vagues. Bon, la température de la mer, 24 degrés, un peu fraîche, mais ça va. Et voilà. Bon, là, je sais pas trop encore, voilà. Les marées hautes et basses. Là, on est demain. La prochaine marée basse, elle est. Ok, cette nuit. Enfin, à 23 h, elle est. Et après la marée haute, elle commence à 5 h du matin. Puis elle s'arrête à 18 h 38. Et après, ça retourne en marée basse. Je crois, hein, je crois que c'est ça. La météo. Bon voilà, aujourd'hui 18 degrés, soleil, pluie 3%, pression, etc. Après, on a le vent en bas. Et voilà. Et le soleil et la lune. Bon voilà. Donc voilà, j'aime bien cette application, je la trouve super bien. Je l'ai découvert par hasard parce que j'essayais de trouver un GPS du coup. Et regardez, ça, c'est ce que j'adore. Parce que quand on est en bateau et pas dans nos spots, ils sont en plein milieu de la mer. T'as du mal à les retrouver quoi. Donc voilà. Et du coup, on peut mettre tous ces spots le long de où on veut en fait. Suffit de rester appuyé. Et tu trouves très facilement. Et ça, c'est trop le top. Donc voilà. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, je fais pas une
une pub, hein. Mais enfin, si je fais une petite pub. Mais regardez, installez cette appli, vous regretterez pas. Vous pouvez me croire, hein. Donc voilà. Je retourne à mon point. Et je peux mettre des points vraiment partout où je veux sur la carte, hein. Et cette appli, elle sert pas que pour la pêche. Je tiens à l'accorder. On peut aller sur. On peut faire du bateau, etc. Pour se retrouver et tout, c'est génial. Voilà, on peut faire tout. En fait, c'est là une carte et on peut mettre ses points. Voilà, je pense que j'ai plus rien à dire. Après, on a la boussole. On a tout ce qu'il faut sur cette carte. Moi, cette appli, je l'aime très bien. Enfin, je sais même pas si ça se dit, je l'aime très bien, mais je l'aime beaucoup. Et voilà. Et elle est payante, bien sûr, tous les mois ou par an. Voilà, mais vous regretterez pas. Bon, moi je vous laisse sur ça. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine, je pense. Mais ça sera peut-être une vidéo enfin avec la canne à pêche, quoi. Parce que montage, présentation, je pense que vous en avez marre. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire à chaque fois, parce que ça fait plaisir les commentaires. Je préfère même les commentaires que les pouces bleus, vous voyez. Bon, lâcher un pouce bleu aussi. Mais les commentaires, ça fait plaisir, quoi. Donc voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Allez, bye.